je pars rentrer. Voilà. Et là, nous allons diviser par 1000. Voilà. Donc, nous allons utiliser 100, à peu près 101 litres. Il y a un grand noté de bien. L'eau à utiliser n'est pas n'importe laquelle. Il faut uniquement utiliser l'eau de pluie, soit l'eau qui vient de la source. Il ne faut pas prendre l'eau de robinet parce qu'elle contient, contient l'antiseptique, elle contient le chlore. Merci beaucoup. C'est l'étape de dilution du vaccin. Alors voici notre boîte isotherme et à l'intérieur, nous avons notre vaccin. Voilà. Alors, 101 litres équivaut à peu près 5 bidons de 20 litres. Donc nous allons verser dans ce fût 5 bidons de 20 litres. Mais comme nous allons calculer les 200 qui manquent, nous avons mesuré une partie proportionnelle à ces 200. Donc nous allons prendre 4 fioles avec une mesure proportionnelle au manquant de 200 pour diviser notre solution. Voilà. Comment on divise? Je vais d'abord utiliser ça. Nous prenons 10 ml de solution physiologique. Voilà, nous coupons le bouchon. Nous prenons une partie que nous versons dans le tuyau. Voilà. Il faut lever un tout petit peu le couvercle. Nous versons l'eau. Vous remettez le couvert, le champ, vous homogénéisez, vous reprenez la solution, et vous l'inoculez dans le reste de notre eau physiologique. Vous inoculez l'eau. Vaccination, il faut assoiffer sérieusement les poussins. Cela leur permet de se précipiter vers l'eau et donne la chance à chacun de boire. Ensuite, et passer bousculer les passifs afin qu'ils aillent boire aussi. Poulet brasé, poulet brasé, poulet brasé, poulet brasé, c'est ça.
hibernation, voyez-vous-même, le poussin commence à vaquer à autre chose, ça veut dire il ne se préoccupe plus du boire, il commence d'ailleurs à manger et à se distraire autrement. La phase qui va suivre est se donner un distress. Ça, c'est notre distress, c'est le pasol. Il contient le sorbitol, il contient la carnitine, il contient le magnésium, et le vitamine PP et les extraits végétaux. Alors, cet indistress ici aide beaucoup. Et pendant la période comme celle que nous venons de traverser, la vaccination, là c'est pour éviter les casses. Nombreux poussins meurent quelques temps après vaccination. Ça c'est juste pour les aider. Mais retenons aussi que, à part le rôle d'un distress, c'est un hépatoprotecteur. Merci beaucoup. Pendant la période de stress plus, il est exigé d'utiliser une dose un peu plus concentrée. Alors là, nous allons mettre 150 ml dans 20 litres d'eau. En tout cas ici, l'objectif c'est pour minimiser les dégâts. Et vous aimez le poulet ? Moi ? Bien sûr que j'aime le poulet, frère. Non, ça n'a rien à voir avec le fait que je suis noir. Mais on va pas se mentir, c'est délicieux, frère. T'es là, t'es posé devant ton assiette, tu vois deux cuisses de poulet. La seule chose que tu te dis, c'est, je sais pas moi. Elles ont une texture si délicate, une chapelure dorée, des cuisses fermes, elles ont taffé les squats et bien picorées. Ici, nous sommes au 22e jour. Un élément que je n'avais pas pu souligner avant est que nous sommes plus spécialisés dans le démarrage et la croissance du poussin que dans l'engraissement. Au 22e jour, nous commercialisons le jeune qui a fini la période de chauffage. Ils ont fini presque leur cycle de vaccination. Ils ont reçu des médicaments et une nourriture qui va définir leur avenir chez l'engraisseur. Alors, et après cette période ici, il y a des engraisseurs qui viennent les prendre. Ils vont continuer les cycles. Alors, retenons une chose. De chez nous, c'est-à-dire après 22 jours, l'engraisseur élève jusqu'à un mois maximum. Et pendant cette période, une poule consomme 5 kg de mélange pour donner entre 2,5 et 3 kg de poids vif.